Ce matin, nettoyage, gros nettoyage de la coque, parce qu'elle est dans un état catastrophique pour la traversée du canal du Mozambique. Donc voilà, là j'ai tout un matos super génial avec une bouteille de plongée, un long tuyau de plongée avec un détendeur long, pardon, de 14 ou 16 mètres. Vraiment génial, je vais aller tester tout ça. Et puis aller gratter tout ce qu'il y a gratté. Ouais, on a un nouvel invité à bord, c'est Alain qui va venir faire la traversée avec nous. On est foutu. En direction de... Là-bas, à peu près. Un truc, je sais pas. Moi je m'en fous. D'accord. Salut Alain. Bonjour. Ça va? Ouais. Jusqu'ici tout va bien, il me supporte encore. Moi c'est bon, d'accord. Moi c'est 48 heures en même temps, donc ça va. C'est après que ça va chauffer. Aujourd'hui, nous avons notre cuisinier personnel à bord qui nous a fait des spaghettis au calamar et avec l'encre. Il a parfumé les spaghettis, donc voilà le chef Alain. Bonjour. Et puis, comme c'est un gars qui n'est pas drôle, et ça va être un peu difficile de faire cette traversée parce que vraiment, il est trop sérieux. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Alain, tu veux de te présenter, s'il d'accord. Te plaît. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Alain, je suis le cuisinier, notamment. Et puis, je suis très sage et je raconte aucune connerie. Ouais, alors, avec à peine 48 heures que je suis sur Jean Verne, ben, je peux t'en dire, on a des bananes pourries à bouffer, la Corinne. Elle va manger des trucs, mais elle met de l'aromate partout, mais c'est une caque. Michel, il est parti, il a déprimé, il est parti, il est loin du bateau. M'autant dire, c'est pas ce que vous voyez dans les vidéos. Regardez un peu cette marchandise. Alors, on est loin de la fondue moitié-moitié des Neuchâtelois. Les papiers. On attend. Voilà, ça fait 13 jours qu'on a fait la demande de... officiel de sortie du pays, et puis il faut une signature ministérielle qu'on n'a toujours pas reçue, donc voilà, on est bloqué, nos visas sont terminés, sont expirés même, et puis mais on n'a toujours pas ce document qui nous promette de jour en jour, donc on attend. Ouais, tu vas où là? Chut. Secret. On y va. Bon, ben je demande permission de monter à bord. Ouais, bienvenue. Je suis allé à la pêche. Ah ouais, t'as trouvé un nouveau bien. Il y a des gens qui font de l'aquagym, qui payent un abonnement pour ça. Et puis ben, d'autres un peu plus astucieux qui inventent des conneries pour s'occuper quoi. Pour s'occuper, de toute façon on a deux jours à passer par là, voilà. Donc autant s'occuper. Bon, alors suite de l'histoire que Alain est allé piquer l'annexe du copain. Là on vient d'avoir un téléphone de leur part. Bon, malheureusement il fait nuit, on a attendu tout l'après-midi. Ils ne sont même pas aperçus durant l'après-midi que l'annexe, elle avait disparu. Donc là, les gars sont partis aider le copain à chercher l'annexe. Bon, il fait nuit. Si dans le pire des cas, c'était arrivé pour de vrai, ça va être difficile de trouver une annexe au milieu de la nuit. Mais bon, ils vont le faire un petit peu mousser un moment. Et puis, on va attendre qu'ils arrivent sur le côté du bateau pour voir la réaction. Oh, vous l'avez trouvé? Ah non. Oh merde. Mais c'est pas ça.
Allez, sale. Mets les couilles en. C'est toi. Moi ? Moi ? Salonage, quoi. Pourquoi ça ? Pourquoi tout de suite c'est moi ? Pourquoi tout de suite ? Tout de suite. Allez, Cohen, c'est pas vous. Jackie, dingy allo, dingy cano. Merci mon chéri. Ben, on peut pas quitter le pays. Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Ça fait 15 jours. Non, ça fait 6 jours qu'on attend. Oui, la demande de sortie a été faite il y a 15 jours. 15 jours, on a fait la demande pour quitter le pays. Donc la demande, c'est une autorisation exceptionnelle de quitter le territoire délivrée par le ministère des Transports. Voilà. Donc... Maintenant, tout le dossier a été envoyé par mail pour obtenir cette signature du ministre. Mais ça fait 6 jours qu'il est introuvable, le ministre. Donc, pas de signature pour nous. On est bloqué. On est bloqué, donc on est pris en otage. Voilà, madame, on est en otage ici. l'état là, maintenant, tout de suite, de la chose. Voilà, bon, rendez-vous ce matin chez le préfet, vous aurez d'autres nouvelles plus tard. Les démarches administratives sont enfin finies. On a mis quand même 15 jours pour obtenir notre fameuse autorisation de sortie de Madagascar. Ça s'est solutionné hier matin où on nous a annoncé que le document avait enfin été signé. Donc j'ai rencontré le préfet de Nosibé, très très gentil monsieur, qui a fait quelques téléphones et qui nous a un peu aidé à savoir où était ce document et qu'est-ce qui se passait. Philippe Mena qui nous a donné un gros coup de main et qui a appelé aussi toutes ses relations. Merci à tous ces gens-là qui nous ont vraiment donné un super coup de main. Donc maintenant on est prêt à partir en direction de... Richards Bay. C'est où ? En Afrique du Sud. En Papouasie, Nouvelle-Guinée. Voilà, donc on part aujourd'hui en direction de Richards Bay. 1200 milles au programme. Si tout se passe bien, on le fait en un coup, puis ouais. Comme ça ne va pas se passer... En général, il y a toujours une couille au milieu, donc on va devoir peut-être faire un petit arrêt entre deux. Voilà, donc on a des solutions de repli le long de la côte du Mozambique, donc avant Maputo, Bazaruto... Ouais, vous verrez, tout ça, vous verrez tout ça dans les vidéos, effectivement. Mais on essaye de le faire en une fois si on arrive. 8 jours le meilleur des cas, 10 jours le pire des cas. Il y aura une période où il n'y aura pas de vent, ou rien, pratiquement rien du tout. Je pense qu'on va faire un voire deux jours de moteur pour après reprendre et les courants et les vents. Alors les courants sont très complexes, ça je vous le montrerai dans les vidéos. Mais oui, tous ces détails, vous les verrez dans le prochain épisode. Mais dans cet épisode, parce que ça sera en route, quoi. Oui, c'est vrai. Allez, à plus. Au revoir et puis bon vent, hein, mon amour. Oui, bon vent. Ben, j'espère qu'il y aura du vent. Préparation du bateau au départ, avec Alain qui fait ses tractions. Continue. 3, 4, et voilà, c'est bon. On change de bord, c'est vrai. Vous voulez voir à l'intérieur pour voir la différence? Oui. C'est chiant ce capitaine. On est en pleine navigation, voile moteur, et puis on profite de faire un service relativement complexe. Bon, on a un nouveau mécano sur le bateau, là. Il y a un petit problème de chauffe du moteur. Nous recherchons la cause. C'est bien, on est deux gros bricoleurs, là. Voilà, t'as trouvé le problème ? Oui, oui. Bon, le problème, c'est pas ça, vraiment. C'est sur Javerne, il disait « Engagez-vous !» C'est des vacances. Les voyages forment la jeunesse. Mais en fait, c'est de l'arnaque, quoi. Il faut faire de la plomberie, il faut s'occuper de l'eau de mer, il faut faire à manger. Et maintenant, il faut faire de la mécanique. Donc, si jamais, à l'avenir, l'équipe de chez Jules Verne vous dit « Venez à bord pour faire une croisière ben, », c'est de la publicité, menton vert. Ça n'existe pas. Mensongère. Oui. Mensongère. Ah, je suis plié en deux, donc. Voilà. Ou autrement, si vous avez des problèmes,
Ben, sur votre bateau aussi, vous pouvez faire 36-15 Javerne. Et puis, ils pourront dépêcher leur boy de service pour vous faire de l'électricité, des panneaux solaires, d'eau de mer à manger. Donc, n'hésitez pas. 36-15 Côte Javerne. Donc, et puis le résultat des courses, là, c'était quoi, alors? Ben, c'est un gnolu qui a démonté l'échangeur et puis qu'il l'a remonté à la Suisse allemande, quoi. Enfin, j'aimerais offenser personne. On l'aurait pu dire à la française, mais le problème, c'est qu'il y a toujours... Il y a trop de Français qui nous écoutent. Voilà, donc je peux pas, donc je vais dire... À la Suisse allemande. À la Suisse allemande, ils comprennent pas en plus ce qu'on dit, donc... Voilà. Donc voilà. Donc, bien nettoyer l'averteur, L'échangeur. L'échangeur, toujours et encore. Et ça évite d'avoir cette merde qui bouffe 10% de l'échange thermique. Et maintenant, c'est fini. Voilà, c'est le premier jour de notre départ pour Richards Bay. Départ de Nosy Bay. Oui. Direction Richards Bay, dans des conditions... De merde. De merde, alors vraiment pas terrible du tout. Vent de face, peu de vent, mer hachée, pas sympa du tout. On appuie sur un moteur et puis voilà quoi. Ben, vous avez droit à un beau coucher de soleil que vous voyez là. Il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui m'entend, sauvez-moi, c'est des malades, c'est des malades, des malades, des malades, ils sont fous sur la mer, ils sont fous, 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 aidez-moi s'il vous plaît, My best friends, yes, well, at the best hole in navigation, oui, que je suis, nous, bon, toujours verne, Javerne, Côte-Marane, oh yes. Alors aujourd'hui, sur Javerne, je voulais faire mon témoignage, je voulais vous dire que je prends mon pied. Je prends mon pied pour les recettes de cuisine, je prends mon pied pour la navigation, je prends mon pied sur la PAP. Ceux qui connaissent comprendront. Et je prends mon pied avec Corinne, avec Michel. C'est vraiment super de faire les vidéos sur Javerne. Bonne nuit à tous les petits. Voilà, certains filment, d'autres bossent. Ça ne va pas. Bon, un petit débriefing de notre première nuit sur Javerne, qui s'est pas passé comme on le souhaitait. Non, pas parce qu'il y a eu une tempête, mais il y a eu des avaries. Donc, je vous passe le capitaine qui va vous expliquer tout ça. Alors, Michel, raconte-nous les malheurs de Javerne. Ben, il y a eu une rafale. Alors non, déjà on a commencé la nuit, on avait pris un riz dans la grand voile pour la nuit, c'est ce qu'on fait en général. Comme ça on est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, plus serein s'il arrive quoi que ce soit. Puis il y a eu un mini coup de vent qui est monté à 25 nœuds. Ben, c'est bon, tout allait bien, moi je sors, je vais regarder. Et la voile, zing sur toute la longueur, déchirée. Oh, mais merci. Puis non, bah, je suis retourné voir plus tard. C'est la couture qui a lâché, donc c'est le fil qui est de mauvaise qualité. Et puis, bah, changement de programme. On va retourner dans la baie de Morumba où on a déjà été avec les jolis cailloux, vous vous rappelez. On va aller se mettre là-bas en mouillage tranquille pour réparer cette voile. Puis en même temps, il y a un moteur qui chauffe un peu trop. On a profité de démonter l'échangeur et puis nettoyer complètement l'échangeur et puis remonter tout ça, puis ça devrait le faire. Comme ça on est tranquille pour la suite du voyage. Bon, on va paumer, on va perdre un ou deux jours dans notre programme de navigation. C'est pas la mer à boire et puis comme ça on dort un peu bien pour une nuit quoi, voilà.
Bon, bien entendu, tout ça, c'est dit sur un ton très serein, très calme. Mais je ne vous raconte pas, hier soir, mon pauvre Michel, il était un petit peu désespéré. Pourquoi tu n'as pas filmé? Moi, je n'ai pas pensé. Puis il faisait nuit, puis il pleuvait à plat, bien entendu. Donc, voilà. Donc, voilà notre première nuit. Comment elle s'est passée? C'est pas rigolo du tout, mais on va surmonter tout ça. Comme d'hab. Ah, et puis il y a quand même des bonnes nouvelles aussi qui arrivent. C'est qu'on a pêché deux poissons. Donc on a pêché une carangue bleue et puis un barracuda. Donc je vais préparer tout ça aujourd'hui. Donc configuration un peu spéciale. On a trois riz dans la grand-voile, le djenak et on est à plus de 7 nœuds. Elle est déchirée. Non, décousue. Décousue. Ouf, oui, d'accord. Ouais. Non, ça à la main, c'est pas possible. Alors, docteur? Eh ben, voilà quoi, c'est décousu. Le fil est cuit. Ouais. Donc nous allons voyager seulement avec le troisième riz puisque c'est le bout qui est encore bien. Voilà, on a le troisième riz à disposition. Là, elle a déchiré sur toute la longueur. C'est pas déchiré, Michel. Non, c'est décousu, pardon. Décousu. Ça, non, ça, il faut une machine dans une voilerie. Ah ouais. J'ai beau avoir la machine Sailrite, mais je peux pas enfiler dans le petit espace là, comme ça, un rouleau de voile, c'est pas possible. Non. Bon, ben Richards Bay, tu crois qu'ils ont tout ça? Oui. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Bon, mais alors voilà. Aïe, 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 aïe. La traversée du canal du Mozambique, c'est pas une partie de plaisir, là. On navigue sud-ouest, cap sud-ouest, et puis comme par hasard, il y a un vent du sud-ouest. Voilà, donc c'est un petit peu la galère. On est à troisième jour de moteur, jour et nuit, donc. Pas totalement moteur, mais troisième jour de navigation. Beaucoup de moteur, oui, effectivement. Et puis, on est en train de rejoindre le Cap Saint-André, qui sera le dernier morceau de terre avant de traverser justement sur l'Afrique du Sud. Mais là, on doit vraiment suivre les dépressions du sud-ouest qui montent tous les 3-4 jours, qui durent 2 jours. Donc, on a des fenêtres météo qui sont très très courtes. Il faut vraiment bien calculer son coût et puis pour arriver de l'autre côté, quoi. Donc pas mal de replis au cas où on peut aller sur le Mozambique lui-même vers le sud. Avant de rejoindre Richards Bay, on a trois possibilités de refuge. Donc là maintenant on va arriver à côté de Bali Bay, donc juste avant la pointe Saint-André, une cinquantaine de milles de la pointe Saint-André. On va s'arrêter là parce qu'un coup de sud-ouest est annoncé et puis on va attendre que les conditions soient à nouveau optimales pour pouvoir continuer. Troisième jour de navigation, on a une mer dégueulasse.
on va se réfugier ce soir dans un endroit, mais on est obligé de passer au travers de ces vagues et ce vent de face. Ce que vous entendez, le grincement, ben, c'est les cordages, le mât ou les poulies ou j'en sais rien quoi. Ça ne fait qu'accentuer mon angoisse. On est ballotté dans tous les sens. Bref, ça va pas du tout. Alors, salut les Jules Vernaut. Alors, mon ami, t'aimes ça la navigation? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu combien? 30 nœuds? À peu près, ouais. Des creux de 3 à 4 mètres environ. Et puis là, on est en train de se réfugier avant de partir, avant de croiser l'Afrique du Sud. Ben, c'est beaucoup, beaucoup trop fort. Et puis là, c'est le vent du sud, donc le vent contre nous. Donc on s'est trouvé une petite crique pour aller se réfugier. Et à part ça, t'aimes les bancs de sable? Alors à part ça, on s'est pris un banc de sable, non répertorié. C'est clair qu'on navigue toujours avec cette fameuse cartographie relativement aléatoire. Et puis on y va au feeling, hein. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Voilà. Alors, bienvenue sur J'ai les boules quand je navigue. Ça c'est clair, c'est pas le lac de Neuch ni le lac Vitaillé, hein. Alors. C'est la merde, c'est la merde. Vivement qu'on arrive. Oh purée. C'est chiant la navigation. Oh putain. Désolé pour le gros mot, hein, mais alors là, j'en peux plus. Hein. Elle m'a dit des pires, mais j'avais pas la caméra. On est où là maintenant, chef? Alors, on arrive à Morwambidzi. Morwambidzi. Avec pas de carte, avec rien du tout, avec Obol, avec Google Earth. Avec Google Earth, vraiment, ça ne correspond à rien du tout la cartographie. On va au bol. Il y en a une qui a failli remplir le bol. Non, j'ai de la chance, j'ai pas le mal de mer, mais moi c'est les angoisses. C'est pas mieux. Allez, et au revoir aux gens qui te regardent. Déjà. C'est qui déjà? C'est qui? Où? Quand? Mais... Hier? Non, c'était aujourd'hui. T'as monté l'ancre? Non, c'est aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui. Ah oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ah oui, au fait... Oui. Gabriel? Ah bah, Gabriel. Gabriel. C'est ça, hein? C'est son anniversaire. C'est ça, ouais. Non. Mais oui. Mais c'est qui a dit? C'est son père. Mais... Il a quel âge? Comment il sait? Mais il a 12 ans. Bon anniversaire, Gabriel. Allez, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Gabriel. Joyeux anniversaire, Gabriel. Joyeux anniversaire. Hip hip. Ouais. Hip hip. Ouais. Hip hip. Ouais. Ouais, 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 ouais. Allez, joyeux anniversaire, Gabriel. Et puis, bonne navigation dans une dizaine d'années avec tes parents. Et puis, t'es sage, hein, puis tu ranges ta chambre. Ou avant. Ou avant. Ou avant. Ouais, ouais, plutôt. Avant. Et tu ranges ta chambre, hein, parce que paraît-il que c'est la catastrophe. C'est le gros bordel. C'est le gros bordel. Nous, on dit le petit chez nous. C'est le petit. Ouais. À bordel.